Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment très hâte de vous faire devant mon sapin de Noël sur un petit cadre un peu particulier puisque je suis dans mon salon assise par terre. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année. Je suis très contente parce qu'il y en a vraiment beaucoup et franchement j'ai été très gâtée, il y a vraiment de très beaux cadeaux. Mais je fais un petit disclaimer quand même avant, évidemment je ne fais pas cette vidéo pour me vanter. J'ai conscience que je suis très chanceuse, j'ai une famille nombreuse qui sont très très généreux et j'ai beaucoup de cadeaux et donc évidemment je ne fais pas ça pour me vanter. Personnellement j'aime beaucoup regarder ces vidéos de cadeaux de Noël, c'est pour ça que je la fais aussi. J'en avais déjà fait une au tout début de ma chaîne Booktube, donc c'est parce que j'avais reçu des dizaines de livres parce que c'était les débuts justement, mais aujourd'hui je ne reçois presque plus de livres et je vous montrerai pas forcément ça les autres années parce que voilà, ma chaîne était sur les livres, mais comme maintenant je me diversifie, je vous présente tous mes cadeaux de Noël et évidemment j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Je vais d'abord vous présenter les trucs un peu gros et encombrants parce que comme ça après je pourrais les mettre de côté et avoir de la place. Enfin là vous voyez pas mais je suis un peu encombrée. Donc la première chose que j'ai reçue, il s'agit d'un super aspirateur que je vous mets ici, de la marque Rowenta. Alors on peut voir que j'ai grandi parce que maintenant je suis ultra contente d'avoir un aspirateur. C'est vraiment un aspirateur de compète, il aspire tout, il y a une lumière et tout, enfin vraiment hyper complet. C'est le modèle Air Force 360 qui est vraiment très bien parce que je l'ai déjà monté et je vais vous le montrer. Voici la bête, en fait on voit pas grand chose. Attendez. Mais c'est un super aspirateur, vous savez c'est les trucs qui se rechargent en mettant sur le mur, qui se rechargent directement et ensuite t'as juste à le reprendre et... Franchement trop bien, il aspire vraiment très fort, il est puissant et voilà, c'est un aspirateur quoi. Et du coup la deuxième chose que j'ai reçue et qui est très très grosse aussi, tellement que je ne peux pas vous la montrer là puisque je suis assise par terre et surtout c'est dans ma chambre, c'est une chaise de bureau de compète. Cette année j'ai tout eu en version compète, hein, version haut de gamme. En fait j'ai reçu ça parce que là pendant le deuxième confinement, donc je télétravaillais chez mes parents, du coup j'avais piqué la chaise de bureau de ma sœur Christelle. Chenny. Du coup elle m'en a offert une tout simplement parce qu'elle devait récupérer la sienne et du coup celle-ci est vraiment trop bien. Enfin je vais pas faire une review sur une chaise de bureau mais en gros c'est très confortable, top pour le télétravail et pour mon dos. Ensuite on passe à la partie beauté et j'ai reçu deux choses. Donc la première, il s'agit d'un coffret acheté chez Sephora de la marque Baija Paris, hop comme ceci. Et c'est trop bien parce qu'il y a un gommage pour le corps, un savon solide et une crème pour les mains et je connais pas du tout cette marque donc c'est trop cool, je vais pouvoir tester et si ça me plaît et ben je pourrais acheter plus de produits de cette marque. Mais gommage corps trop bien parce que j'en ai pas, savon solide pareil et crème pour les mains pareil, en fait j'avais rien. Et ensuite on m'a offert ma crème préférée, j'en avais plus, j'avais terminé mon pot et j'avais pas encore racheté. C'est la crème Reine dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. C'est une crème pour la nuit, pour les peaux à cicatrices. Comment ça s'appelle? Crème de nuit éclat anti-tache. Voilà, c'est le anti-tache qui est très important pour moi. Parce que j'ai pas mal de taches d'acné. Enfin, je touche tout le temps mon visage et tout. C'est pas bien du tout. Et cette crème-là, franchement, trop bien. Attendez, je vous montre. Attendez, je fais ma youtubeuse beauté. Voilà, c'est cette crème-là. Et franchement, elle est trop bien. Moi, je vois vraiment une différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. En quelques jours, je vois que ma peau est déjà plus... Pas plus lisse, mais plus... Le teint unifié, voilà. Il y a moins de cicatrices en gros tout simplement. Et franchement je l'adore, je vous avais déjà fait un post Instagram dessus parce que justement j'ai terminé cette crème tellement elle est bien et c'est quand même rare que je termine des crèmes. Mais là vraiment au top et je voulais d'ailleurs vous faire une vidéo sur ma routine un peu soin, visage, crème etc. Parce que j'ai vraiment réussi à avoir un rendu au top avec beaucoup moins de cicatrices et une peau plus unifiée toujours. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas pris le temps mais je pense que ça pourrait être intéressant. Et dans la catégorie beauté, j'avais oublié, mais j'ai aussi reçu le calendrier de l'Avent de l'Occitane. On est un peu en retard, mais du coup, je vais commencer ça le 1er janvier. Comment il s'ouvre? On va l'ouvrir en direct. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Trop bien. Franchement, il est trop beau et j'ai trop hâte de découvrir. Je sais que ma tante l'avait cette année et du coup, elle a tout ouvert en décembre. Mais elle est fan de cette marque-là. Et personnellement, j'avais déjà utilisé certains de leurs produits, mais pas plus que ça. Voilà, une crème de main par-ci, par-là. Du coup, voilà, je suis ravie de pouvoir découvrir cette marque grâce à ce calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai reçu ça. C'est trop beau. Je suis trop contente. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, c'est une déco avec des fleurs séchées et franchement c'est magnifique, je suis trop contente. Je sais pas si vous aviez suivi nos aventures avec Christine sur Instagram sur l'achat de fleurs séchées. Il y avait des ventes privées de fleurs séchées justement et on avait acheté plein de fleurs, mais pas des bouquets tout faits, c'était vraiment à nous de faire les bouquets en achetant des fleurs séparées.
Finalement c'était horrible, j'en ai encore 12 millions parce que j'ai presque rien utilisé. Mais ça c'était tellement mieux, pourquoi j'ai pas acheté ça avant quoi, enfin c'est trop trop beau. Donc je suis trop trop contente, ça va directement aller dans mon appart, je sais pas trop où, mais je vais trouver de la place. Et du coup pour ceux que ça intéresse, ça vient de la marque Pauline, P-O-L-H-I-N-E. Je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos, je pense. C'est écrit en tout cas « Follow us on social media ». Je sais pas pourquoi ils parlent en anglais alors que c'est en français, enfin c'est fait en France. Mais voilà, c'est trop trop beau, je suis trop trop contente. Ensuite j'ai reçu quelque chose qui va littéralement me changer la vie pour la cuisine, franchement. On avait vu ça avec mes soeurs sur une vidéo d'Enjoy Phoenix. Du coup ma soeur l'a reçu en cadeau pour son anniversaire, pas le même, hein, vraiment en plus bas de gamme on va dire, parce que Enjoy Phoenix elle a un truc mais genre comme ça. Et du coup j'en ai aussi demandé un Noël parce que j'ai vu que ça aidait vraiment ma soeur, enfin ça lui a changé la vie. Et du coup bref, tout ça pour dire qu'il s'agit d'un découpe légumes, donc Kitchen Tools Multifonction. C'est un truc où vous mettez votre légume et vous faites juste tchouk, et ça y est, c'est coupé. Ça va me faire tellement gagner de temps, c'est un truc de ouf et je suis trop contente. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore utilisé vu que je suis encore chez mes parents. On peut couper en gros, en lamelles, en machin, franchement c'est trop trop cool et j'ai trop trop hâte de l'utiliser. Ensuite encore quelque chose qui va me changer la vie et là vraiment ça va aussi changer la vôtre, presque. J'ai reçu une batterie d'appareil photo. Vous savez à quel point dans chaque vidéo je dis en fait j'ai plus de batterie, mais c'est parce que j'ai qu'une seule batterie. Et du coup bah dès que celle-là, celle qui est dans cette caméra, n'a plus de batterie, je dois juste aller la charger et attendre. Sauf que là j'en ai acheté une deuxième, enfin j'en ai reçu une deuxième pour Noël de la part de mes soeurs. Donc je suis trop trop contente, il y aura enfin plus de problèmes sur les batteries de caméra. Normalement j'aurai toujours assez de batterie parce qu'il y en aura toujours une qui sera en charge. Donc on va être sauvés. Ensuite c'était également dans ma liste de Noël donc je suis trop contente, enfin comme tous les cadeaux évidemment. Mais j'ai reçu une paire de Nike Air Force One, celle que j'avais demandé, les plus simples, les classiques, en taille 37,5. Et franchement c'est un basique que je n'avais pas. Du coup moi je portais souvent les Stan Smith de chez Adidas, donc les classiques de chez Adidas, mais ici c'est chez Nike. Bah franchement des classiques quoi. En fait les paires de chaussures comme ça je les porte littéralement tous les jours, donc presque tous les ans je change. Un peu plus peut-être. Mais comme je les porte vraiment tous les jours, elles s'abîment très très vite. Mais il faudrait que j'en prenne un peu plus soin parce que c'est vrai que ben, je change quand même régulièrement quoi. Mais je suis trop 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 contente pour celle-là. Je vais essayer d'en prendre soin, de pas les mettre quand il fait trop moche. Mais c'est compliqué quand même quoi, parce que là on est en hiver, voilà quoi. Mais je suis trop contente, elles sont trop belles. Et pour finir, le dernier cadeau que j'ai reçu, il s'agit d'un livre et je l'ai gardé pour la fin parce qu'il s'agit de Les mots de Jean-Paul Sartre. Et là vous allez vous dire mais c'est pas du tout le genre de truc que tu lis d'habitude et je suis bien d'accord. J'aurais jamais pensé acheter ce livre et c'est pour ça que je suis trop contente de l'avoir reçu. Parce que franchement j'ai pas lu le résumé en entier mais la première phrase ça commence par « Ouvrez les guillemets, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres ». Voilà, je pense que ça parle de livres, des mots, etc. Et Jean-Paul Sartre, voilà, je pense que ça peut beaucoup me plaire et ça peut me sortir de ma zone de confort. Et concrètement en ce moment j'ai pas envie de lire des trucs que je lis tout le temps, la young adult là en ce moment j'en ai marre aussi. Donc je suis trop trop contente d'avoir reçu celui-là. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment encore un grand merci, mais j'ai déjà dit, à ma famille qui m'a gâtée cette année. Et du coup n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez reçu à Noël. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, un peu différente de d'habitude. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.